Bonjour, je m'appelle Taina Tervonen et je suis l'autrice des otages parus aux éditions Marchiali. Ce sont à la fois des objets et un enfant d'une dizaine d'années qui ont été pris à Ségou, dans la ville de Ségou, sur le territoire du Mali actuel, en avril 1890, par le colonel Louis Archinard, qui commandait les troupes françaises à cette époque-là. C'était donc un butin de guerre. J'ai choisi ces objets pour une raison assez simple. En fait, ces objets ont appartenu à Eladj Oumartal, qui est un guide religieux musulman, qui a fondé une confrérie religieuse qui existe toujours au Sénégal, mais qui a aussi fondé l'Empire des Toucouleurs, un des grands royaumes de l'Afrique occidentale du 19e siècle. Or moi, cette histoire, je l'ai apprise à l'école primaire, puisque j'ai grandi au Sénégal jusqu'à mes 15 ans. Je me suis intéressée à cette histoire en 2017, quand Emmanuel Macron, qui était alors fraîchement élu, au début de son quinquennat, s'est rendu au Burkina Faso en novembre 2017 et a fait une déclaration qui a surpris beaucoup de monde, moi y compris. Il a déclaré qu'il souhaitait que dans les prochaines 5 années à venir, le patrimoine culturel africain qui faisait partie des collections muséales françaises retourne en Afrique. Pour retracer le parcours de ces objets, de cet enfant, je me suis rendue dans différentes archives. Alors déjà les archives des musées où sont les objets aujourd'hui. Je me suis aussi rendue aux archives des troupes de la marine à Fréjus, à Aix-en-Provence où il y a les archives d'outre-mer. Mais je me suis aussi rendue au Sénégal pour consulter les archives nationales du Sénégal où sont conservés des documents militaires de cette époque. J'ai aussi rencontré des historiens, des archéologues, des conservateurs de musées qui ont chacun d'une façon ou d'une autre accompagné ces objets.